l'école est très contagieuse. Contrôlez l'accès. Limitez tout contact au strict nécessaire. L'hygiène absolue, c'est la nouvelle norme. Enseignants, imposez les mesures sanitaires. Protégez-vous en permanence. Les enfants sont peu contaminants. Toutefois, masquez-les et testez-les régulièrement. Les enfants sont dangereux. Les contacts sont dangereux. La socialisation est dangereuse. Pas de masque, pas d'école. Pas de test, pas d'éducation. Pas de vaccin, pas de liberté. Les activités périscolaires tuent. Les jeux d'enfants tuent. Les sourires tuent. L'isolement, c'est la vie. J'ai le droit de respirer 3 fois dans la journée grâce à mes jetons respiration. J'ai peur d'oublier le sourire de mes copines. J'ai peur que mes sœurs prennent l'habitude de ne plus m'embrasser. La cantine est un lieu de contamination. Limitez le croisement entre les élèves. Faites manger les élèves rapidement. Interdisez toute conversation durant les repas. C'est pour le bien de tous. Isolez les enfants dans un monde stérile. Faites confiance aux experts du gouvernement. Les experts ne mentent jamais. À quoi sert cette vie si on ne peut plus rien faire avec nos amis? Le plus triste dans tout ça, c'est qu'on meurt à petit feu et que personne ne s'en rend compte. Des fois, je me cache dans les toilettes pour pleurer. Testez régulièrement les élèves. Protégez-vous des enfants. Isolez immédiatement tout enfant malade. Écartez-le de ses camarades. Écartez-le de sa famille. Respectez les règles. Prévenez les autorités en cas de symptômes. Les enfants sont isolés pour votre sécurité. C'est leur nouvelle réalité. Le gouvernement prend ses mesures pour vous protéger. Le plus triste, c'est que c'est difficile de se projeter. C'est pire que la prison, on ne sait pas quand tout ça sera fini. J'ai l'impression d'être dans un jeu vidéo. Les parents qui critiquent
critiquent les mesures sont complotistes et criminels. Dénoncez-les. La pensée unique est la nouvelle normalité. Encouragez les enfants à dénoncer leurs camarades. Dénoncer, c'est faire preuve de solidarité. Apprenez aux enfants à devenir de bons citoyens. Seule l'école peut éduquer vos enfants. L'école à la maison est dangereuse. Développer la pensée libre est dangereux. Interdisons l'école à la maison. La pensée indépendante est une pensée conspirationniste. Je sais pas si la maîtresse elle est fâchée ou si elle me sourit parce que je la vois pas. Quand j'essaie de respirer en classe, les autres me dénoncent à la maîtresse et je me fais punir. J'ai envie de mourir. Porter le masque est un acte solidaire. Les enfants démasqués sont coupables. Parents, méfiez-vous de vos enfants. Ne les écoutez pas. Les irritations de la peau et les malaises ne sont pas dangereux. Respirer son propre dioxyde de carbone n'est pas dangereux. Supporter l'étouffement est un devoir social. Les expressions faciales ne sont pas essentielles. Attention, votre enfant est asymptomatique. Votre enfant n'est pas sain. Votre enfant est dangereux. Il doit être vacciné. Parents, obéissez au gouvernement. Ne vous inquiétez pas. Le gouvernement prend soin de vos enfants. Un bon masque, c'est celui qui t'étouffe presque. J'ai très mal à la tête et j'ai envie de vomir tout le temps. Et maman m'a répondu, c'est pas grave, ça va passer. J'ai les mains complètement brûlées et on m'oblige à mettre du gel. L'enfance à l'hygiène. Les conséquences psychologiques sont secondaires. Sauver des vies est plus important. Toutes les vies doivent être respectées, certaines plus que d'autres. Ne vous posez pas de questions. Sacrifier l'enfance pour les 0,5% de personnes fragiles. Les pensées suicidaires des élèves sont la nouvelle norme. Les services de pédopsychiatrie sont à la disposition de vos enfants. Des tickets de consultation psychiatrique sont disponibles gratuitement. Les experts veulent le bien de vos enfants.
conscient. Nous déclarons que les mesures sont au-dessus des droits de l'enfant. Quand je me lève le matin, j'ai plus envie de respirer. Tout me dégoûte. Je préfère mourir. Maman, je veux repartir au ciel, mourir et revenir quand le virus sera plus là. Les enfants sont responsables des 0,5% de personnes fragiles. Coupez vos enfants de toute vie sociale. Encouragez vos enfants à être solidaires. La danse tue. Chanter tue. Le rire tue. Les vaccins sont la nouvelle liberté. Vivre solidaire, c'est vivre solitaire. Sacrifier la jeunesse, c'est la nouvelle solidarité. Attention, nous déclarons que la sécurité absolue est au-dessus de notre humanité. Papa, maman, pourquoi c'est nous qui protégeons les adultes? Le gouvernement prend ses mesures pour vous protéger. Maman, ne fais pas de câlin, sinon tu vas mourir. Le gouvernement prend ses mesures pour vous protéger. Au fond de moi, j'ai la haine. Ma seule peur, c'est qu'elle explose. Le gouvernement prend ses mesures pour vous protéger. Dis maman, c'est ça la vraie vie. Dis papa, c'est ça la vraie vie.